Yo, salut les amis, c'est Fosso. On va se retrouver dans une petite vidéo. On va essayer de faire. Enfin, c'est pas on va essayer de faire, on a fait le one shot du boss 1 du raid Cheval de Fer. On a fait le one shot à 2. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est possible de faire ce one shot juste à 2 joueurs? Donc, on a réussi. J'étais avec Aomin, mon compagnon de route de toujours. Super joueur d'ailleurs, on arrive à faire des trucs vraiment classe ensemble. Donc je vais vous faire voir, moi j'étais en médecin, lui il était en dilemme, c'est lui qui a tapé le one shot. Donc moi mon paquetage médecin c'est tout simple, hein, c'est juste un médecin, les gants BTSU pour la surcharge, évidemment il nous faut une ruche pour cette surcharge et un Achille. J'ai un Achille, je vous fais voir, 27 pour 27%. De dégâts en plus parce que Aomin il a un paquetage dilemme qui n'est pas du tout optimisé et il a un D50 qui n'est même pas optimisé ni expertisé et vous verrez que ça fait l'affaire. Il a réussi à one shot le truc assez easy d'ailleurs, hein, assez facilement. Donc voilà, ça c'est son paquetage. Il a fait un paquetage dilemme, holster du cowboy. Il est un D50 ligne plate qui n'est pas du tout opti, hein, son truc n'est pas opti. Alors il a mis tout son paquetage en proba et il est proba et dégâts de coup crit. Vous verrez qu'il a quand même pas mal de proba avec son pistolet. Il a quelque chose comme 54 et quelques, alors que son paquetage n'est encore une fois vraiment pas opti. Le top, c'est d'avoir avec le pistolet, le D50, d'avoir 60 de proba pour être sûr que ça crit. Pour one shot, il va falloir absolument que ça crit. Donc, il met du. Pardon, je me suis trompé, hein, du dégât de headshot partout et de la proba. Vous voyez, ces trucs proba, ils sont même pas à fond. Bon, il était à 54 et quelques, donc c'était quand même suffisant pour faire un crit. On va regarder dans ses stats. Voilà, arme d'appoint, voilà, il a 57,6, ah si, quand même pas mal, hein. Attends, secondaire, arme d'appoint, en proba il a 57,6 et en headshot il a 182, on peut faire bien mieux que ça, mais ça a fait l'affaire, je vous laisse regarder ça tout de suite. Hop là, surcharge. Bien joué, bravo, bien joué gros! Champion League! Ah, Champion League! merci, merci. Champion League gros! À one shot à deux! Donc là, on va voir la vidéo de son point de vue à lui. On l'a vu de mon point de vue à moi. Maintenant, on va voir de son point de vue à lui. J'essaie de vous décrire un petit peu ce qu'il fait. Il va tout d'abord proquer sa vorace sur les boucliers, il va faire des 5-1. Donc il se met en face de sa porte, épaule gauche avec la vorace. Et il va commencer dès que ça sort. Moi je lui ai fait la surcharge. Il commence à proquer l'épaule gauche. Il passe épaule droite, un tir au boss pour faire le transfert avec le dilemme. Un tir, un tir. J'ai mis l'Achille. Bam! Et voilà, one shot. Super, voilà. Donc là, vous avez plus d'excuses, hein, les gars. Vous partez en raid, machin, ouais, le boss 1, machin, ceci. Même pour les novices, c'est un truc, franchement, on l'a pas du tout travaillé, ce truc. Il y a Dark, qui fait partie des deuxièmes mondiaux, qui est venu nous expliquer comment on faisait ce truc-là. Il nous a brièvement expliqué, on a tenté deux fois, trois fois et on a tout de suite réussi. C'est extrêmement facile à faire. Donc vous n'avez plus d'excuses les gars, one shot du boss 1. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye.